Qu'y a-t-il dans ta couche? Une histoire de Guido van Genechten. Guido van Genechten, qu'y a-t-il dans ta couche? Voici bébé souris. Bébé souris est incroyablement curieuse. Elle se pose des questions sur tout et elle veut tout explorer, elle veut tout voir, elle veut tout comprendre. Elle regarde dans tous les trous qu'elle trouve sur son chemin. Elle fouille, elle tâtonne. Elle examine chaque pot, chaque bouteille. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce que ça sent? Tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Bébé souris met vraiment son nez partout. Lorsqu'elle rencontre bébé lapin, elle lui demande « Dis bébé lapin, qu'est-ce qu'il y a dans ta couche ?»« Regarde !» répond bébé lapin. « Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept petites crottes !» s'exclame bébé souris. Ensuite, elle aperçoit bébé chèvre. « Coucou bébé chèvre, qu'est-ce qu'il y a dans ta couche ?»« Bah, regarde si tu veux !» répond bébé chèvre en levant les pattes. « C'est bien ce que je pensais !» rigole bébé souris. « Tout plein de crottes de bic !» Ensuite, elle demande à bébé chien. « Hé, bébé chien, qu'est-ce qu'il y a dans ta couche ?»« Bah, jette un œil !» répond bébé chien en riant. « Berk, un vrai caca de chien !» s'écrie bébé souris. Il poursuit son enquête auprès de bébé vache. « Dis bébé vache, qu'est-ce qu'il y a dans ta couche ?»« Tu peux regarder, » répond bébé vache. « Une énorme bouse ! J'aurais dû m'en douter !» murmure bébé souris. « Bonjour bébé cheval, » lance-t-elle plus tard. « Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ta couche ?»« Viens voir, » répond bébé cheval, un peu surpris. Trois jolis crottins, tout beaux, tout ronds, s'émerveille bébé souris. Finalement, elle interroge bébé cochon. « Dis, bébé cochon, qu'est-ce qu'il y a dans ta couche ?»« Regarde !» répond bébé cochon. « Ouf ! Quelle crotte ! Elle sent fort, hein ? Ouf !» déclare bébé souris en reniflant. « Maintenant !» s'écrie en chœur bébé lapin, bébé chèvre, bébé chien, bébé vache, bébé cheval et bébé cochon. C'est à ton tour de répondre, bébé souris. Qu'est-ce qu'il y a dans ta couche? Bah, approchez, répond bébé souris toute fière. Oh, mais il n'y a rien dans ta couche. Comment c'est possible? Hein? C'est pas possible. Comment tu fais? Moi, explique bébé souris, c'est sur le pot que je fais mes besoins. Sur le pot? Oh! Essayons tous. Fini la couche et à chacun sa crotte et à chacun son pot. Et trotte, trotte, ma souris, mon histoire, elle est finie.